Bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième webinaire de notre session sur les enjeux de la gestion des données programmes appliquées à la solidarité internationale. On se retrouve aujourd'hui pour parler des vrais risques en protection des données pour les organisations de la société civile. Je vous indique en introduction que ce webinaire est enregistré, donc si vous n'hésitez pas à plutôt poser vos questions par le chat si vous en avez. Également que ce webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Carte ONG. Donc n'hésitez pas à aller voir d'ici quelques jours si c'est quelque chose qui vous intéresse. Cette série de webinaires est organisée en collaboration avec Ritimo, que vous le sachiez, et je vous indique également que c'est fait dans le cadre d'un projet qui est financé à la fois par l'Agence française de développement et par le Centre de crise du ministère des Affaires étrangères. En termes de déroulé, juste pour vous dire un petit peu comment ça va se passer, ma collègue DPO, donc déléguée à la protection des données, Marilyn, va animer cette session avec les deux intervenants et on les laissera se présenter en plus de détails. Elle va également introduire un petit peu le contexte. Donc, on a eu déjà trois sessions de webinaire qui ont abordé différents sujets en termes d'enjeux, à la fois la question des idées reçues sur l'open source, qui est un des sujets un petit peu oubliés parfois par les ONG autour du digital au sens large. On a eu également une session sur l'implication et ce qu'entraîne la transformation digitale en termes de gestion de données programmes. Et une dernière qui était vraiment sur comment remettre l'humain au centre de la transformation digitale et des outils de gestion de données au sens large. Et on attaque cette quatrième session spécifiquement sur donc, les vrais risques en protection des données, ce qui est une des questions les plus fréquentes des ONG à ces jours-ci, depuis, on va dire, le RGPD qui est arrivé il y a 3-4 ans dans le secteur et qui a un petit peu tout chamboulé. Je laisse la parole à Marilyn. Oui, bonjour à tous. Comme l'a indiqué Mev, je suis la DPO ou la déléguée à la protection des données chez Carte ONG et je suis aussi la responsable de projet pour donc un projet en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères sur la gestion responsable et la protection des données appliquées au secteur humanitaire pour les ONG, pour toutes les ONG. Donc, aujourd'hui, on accueille deux intervenants avec qui on va échanger sur le sujet des risques, Jérémy et Frédéric, que je laisse se présenter. À vous la parole. Oui, bonjour. Donc, Jérémy Dron, je suis aujourd'hui délégué à la protection des données, donc DPO, moi aussi, au sein de Médecins du Monde. Avant cela, j'ai été également, j'ai travaillé beaucoup dans le social et l'humanitaire sur le terrain au Brésil hein, pendant à peu près 17 ans. Avant de m'intéresser réellement à la protection des données et profondément à la protection des données personnelles. Et notamment l'applicabilité des législations, que ce soit le RGPD ou d'autres, hein, d'autres législations à niveau international aussi, aux structures associatives et aux structures à but non lucratif. Donc, j'ai eu l'occasion de mener deux études sur cette thématique, une particulièrement au Brésil par rapport à la loi brésilienne sur la protection des données personnelles, et l'autre dans le cadre d'un master que j'ai réalisé en France. Sur la protection et le management des données personnelles, appliquées encore une fois aux structures brésiliennes, mais aussi aux structures françaises. Voilà, donc aujourd'hui, très heureux d'être pouvoir exercer ce beau métier au sein d'une organisation comme Médecins du Monde. Bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Gibaudan, je suis gestionnaire de l'information dans un consortium qui s'appelle Camileum, qui est au Liban et qui est composé de trois ONG humanitaires qui sont NRC, donc le Conseil des réfugiés de Norvège, Oxfam et Solidarité internationale.
Une grande partie de mon travail, outre le partage des informations pour que tout le monde arrive à disposer de ce dont il a besoin, il y a une grande composante de protection des données et de cybersécurité. Et donc, ça fait 4 ans maintenant que je fais ce travail à Beyrouth. Merci beaucoup. Bah, écoutez, j'aimerais commencer cette discussion en revenant en fait sur un événement je pense, qui nous a tous marqués et qui était la cyberattaque qu'a subi le CICR en début d'année. Bon, pour ceux qui nous écouteront, vous avez les liens ici qui vous amèneront sur les communiqués de presse détaillés et la façon dont le problème a été abordé par le CICR. Mais en quelques mots, on peut dire que ça a été une attaque très ciblée, très sophistiquée et qui a visé les données du programme de restauration des liens familiaux du CICR. Donc, on parle de plus de 500 000 bénéficiaires qui font partie de ce programme et dont les données ont été récupérées par, on va dire, des pirates. C'est une actualité très inquiétante. Le CICR dans le secteur fait partie des acteurs, si ce n'est l'acteur le mieux outillé, le mieux équipé en matière de protection des données et de protection des bénéficiaires. Et ça pose beaucoup de questions quant à la protection des données des bénéficiaires de tous les programmes humanitaires et de développement. Et là, je veux bien que nos intervenants réagissent sur comment ça a été vécu, peut-être en interne ou comment pour eux, qu'est-ce que ça leur évoque. Bah, clairement, hein, je reprends exactement tes mots. La Croix-Rouge est toujours, hein, une référence en termes de protection des données personnelles, en tout cas dans le secteur humanitaire. Et cette attaque a clairement, pour moi, à mon sens, représente un changement de paradigme assez conséquent dans le milieu associatif, notamment, puisqu'on pouvait penser peut-être. Avant que les associations, les ONG étaient assez, on va dire, dispensées d'attaques, voire aussi par extension, hein, de contrôle, etc. Mais on voit effectivement qu'une association comme la Croix-Rouge peut être attaquée, toute association au final peut être attaquée de la même manière. Et ça, c'est pour moi vraiment un changement de paradigme, enfin, vraiment les lumières, si je puis dire, se tournent vers le secteur associatif et rendent encore plus, enfin, renvoient à notre responsabilité aussi en tant qu'association d'appliquer, respecter et sécuriser les données surtout. Donc voilà, c'est quelque chose qui, à mon sens, a provoqué un peu un remous dans le milieu associatif et nécessite des changements et une posture. Ouais. Ben oui, je suis tout à fait d'accord avec Jérémy. Et juste pour ajouter deux petits éléments un peu plus terre à terre, on va dire. Déjà, cette attaque, c'est une attaque, donc, comme vous l'avez déjà dit, sophistiquée, donc qui coûte cher. Donc ça veut dire qu'il y a des acteurs puissants qui sont capables de mettre beaucoup d'argent et de ressources pour attaquer des ONG humanitaires. Et donc, si les ONG humanitaires ne répondent pas avec aussi de l'argent et des ressources, ça ne pourra jamais, ça ne pourra jamais fonctionner, quoi. Elles seront toujours victimes d'attaques qui réussissent. Et ça, pour l'instant, c'est pas encore vraiment. Ça commence à changer, mais je trouve que c'est pas encore bien passé au niveau des propositions de projets humanitaires, au niveau des donateurs, etc. Donc, les mentalités commencent à changer, mais il faudrait que le changement s'accélère, je pense. Et la deuxième chose, c'est que moi, personnellement, je suis assez curieux de lire les rapports techniques de cette attaque pour voir un peu des leçons à tirer. Par exemple, je crois avoir entendu que ces données du CICR étaient hébergées par un tiers. Donc ça peut soulever des questions. Est-ce qu'il faut qu'on passe, par exemple, est-ce qu'il faut que le secteur humanitaire passe tout en interne et s'occupe soi-même des hébergements, de la cybersécurité
Voilà, je suppose que ça va ouvrir tout un tas de questions techniques, puisque bon, le CICR avait déjà ouvert les questions juridiques depuis un bon moment. Et là, ça va peut-être ouvrir des questions techniques en plus, enfin techniques au niveau, du moins, pas forcément technologiques, mais techniques au niveau commercial, comment on organise les contrats, les hébergements, l'architecture des systèmes d'information, etc. Effectivement, ça pose tout un tas de questions et justement, et par l'image qu'on a mis un petit peu sur cette slide, on se dit bah, finalement les cyberattaques, c'est très médiatique, on en parle beaucoup, mais il y a tout un tas de choses à faire derrière et justement, on va aborder cette question des investissements, que ce soit en infrastructure ou dans les équipes. Mais c'est vrai que face à une attaque de ce niveau-là, ça peut être extrêmement déstabilisant et démoralisateur en se disant, mais finalement, si un acteur comme le CICR, avec tous les moyens qu'ils ont, se font attaquer, qu'est-ce qu'on a comme moyen à notre disposition quand on est une ONG qui n'a pas toutes ces ressources-là? Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est de dire, mais la protection des données, est-ce que c'est finalement un sujet pour les riches, ou est-ce que c'est un sujet trop compliqué qui est réservé à des experts, que ce soit des experts juridiques ou des experts en cybersécurité? Bon, clairement, hein, la protection des données personnelles, effectivement, hein, c'est une image qu'on peut vraiment avoir. J'ai bien aimé, enfin, j'ai trouvé ça assez drôle, cette image pour les riches. Mais effectivement, pour rebondir sur ce qu'a dit Frédéric, oui, il faut des moyens, effectivement, il faut pouvoir investir dans des outils peut-être, ou en tout cas des structures qui permettent de mieux sécuriser les données. Mais il y a plein de choses en amont qu'on peut faire aussi et qui n'ont pas forcément un coût. Déjà, une forte sensibilisation au niveau des équipes, ça c'est quelque chose qui peut être mis en place. Ensuite, on a beaucoup d'éléments que les principes de la protection, enfin, des règlements sur la protection des données imposent, mais qui, d'une certaine manière, sont aussi du bon sens, c'est-à-dire ne pas oublier les mentions d'informations aux personnes concernées. Recueillir le consentement lorsque cela est nécessaire. Voilà, ce type de pratiques sont des pratiques qui sont aussi liées à la protection des données personnelles et qui peuvent être mises en place. D'autres choses, comme on a évoqué ça, des outils, par exemple, certains outils, notamment des autorités de contrôle européennes, notamment, proposent des outils gratuitement aussi, enfin, des modèles, en tout cas, qu'on peut utiliser et qui permettent au moins la mise en œuvre d'un registre des activités de traitement, par exemple, qui est un aspect réglementaire aussi, que la réglementation de la protection des données personnelles exige. Donc, voilà, sur certains points, en tout cas, on peut avancer, on peut construire. Et ça c'est quand même un point, je dirais, quand même positif. Il faut être optimiste aussi vis-à-vis de l'implémentation de ces procédures. Oui, et j'ajouterais juste que c'est évidemment qu'il faut impliquer des experts dans la cyberdéfense. Cela dit, les experts peuvent arriver avec des solutions. Alors, les experts coûtent cher, mais dans un premier temps, mais ils peuvent arriver avec des solutions pas si chères que ça et qui seront jamais parfaites. C'est comme la sécurité physique, hein, la cybersécurité. Donc, un expert en sécurité pour les campagnes d'ONG humanitaires dans les endroits un peu chauds va avoir une vision pour sécuriser un endroit où les travailleurs logent, par exemple. Et ce sera des solutions qui vont grandement empêcher ou en tout cas entraver les tentatives d'attaque, mais qui seront pas forcément chères. Ce sera juste des organisations différentes. Donc, par exemple, en termes de sécurité, on peut arriver à faire des choses pas chères du tout et qui sont très robustes face aux attaques. En revanche, ce qui peut arriver, c'est que d'un point de vue de l'utilisateur, du travailleur humanitaire, ce soit un peu moins pratique à utiliser dans un premier temps. Et donc, à un moment donné, c'est vrai qu'on a peut-être été pris dans l'enthousiasme de la grande simplification et de la grande industrialisation que les outils numériques permettent. Mais peut-être qu'à un moment donné, il va falloir accepter, et notamment ben, peut-être que cette attaque du CICR va nous y aider, il va falloir accepter peut-être ben, que les choses soient légèrement moins pratiques, mais beaucoup plus sûres.
notamment pour l'intérêt des gens vulnérables dont on s'occupe. Et donc, quand l'outil est un peu moins pratique, ça nécessite une petite formation, une petite session pour, voilà, pour peut-être que ce sera plus aussi intuitif qu'avant. Il faudra faire un ou deux pas supplémentaires, mais ça va, c'est pas insurmontable et il faudra juste accepter l'idée d'apprendre ces deux ou trois pas supplémentaires pour la sécurité des données de nos usagers. Oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai qu'on les ONG, quelles qu'elles soient, ne partent pas de rien. Et quelque chose qui est essentiel dans la protection des données, et comme dans beaucoup de choses, en fait, c'est de faire un état des lieux et de voir vraiment quels sont nos besoins. La vulnérabilité des bénéficiaires et ce qu'on appelle maintenant de leurs données, mais avant, c'était simplement leur dossier. Par exemple, pour des projets médicaux, c'était les dossiers patients. Ce n'est pas des choses nouvelles. On a l'habitude de fonctionner avec des données sensibles. On a l'habitude de rechercher à les protéger. On a l'habitude d'appliquer les principes humanitaires fondamentaux. Donc, on a déjà cette sensibilisation et ce socle commun au niveau des équipes qui devrait permettre une appropriation facilitée de la mise en place d'un outil si on explique à quoi il sert vraiment. Et de faire ce petit pas en plus, comme tout nouvel outil, où il faudra s'habituer, arriver à travailler avec. Mais ce qui est important, c'est de se dire, même si on est une petite ONG et qu'on n'a pas forcément beaucoup de moyens à mettre, finalement, quel est l'état des lieux? Qu'est-ce qu'on a déjà et qu'est-ce qu'on peut faire à la hauteur de nos moyens? Ne pas se croire protégé par ces outils. Ce n'est pas parce qu'on va empiler les outils qu'on va être mieux protégé. On peut avoir je sais pas, on peut chiffrer tous ces emails et avoir un antivirus, le dernier cri. Ça va potentiellement servir à rien si les bureaux ne sont pas fermés à clé et que les ordinateurs sont accessibles à n'importe qui. Donc, il y a vraiment besoin de faire un pas en arrière et de considérer ce sujet dans sa globalité numérique, mais aussi physique, pour pouvoir et adresser en fait les sujets un par un et voir justement là où des investissements vont être pertinents et nécessaires. C'est sûr que quand on est sur des sujets, sur des programmes de protection, notamment avec des enfants ou des populations extrêmement vulnérables, ça peut valoir vraiment le coup d'investir dans des solutions sécurisées pour faire de la gestion de cas. En revanche, ça ne sert peut-être à rien je sais pas, de s'enfermer dans ces pièces super sécurisées. Faut voir la proportionnalité de la réponse et dans les investissements. Et identifier ce qu'on appelle les maillons faibles. On a tous des maillons forts, on a tous des maillons faibles, mais qu'est-ce qui va faire vraiment la différence quand on a forcément une limite de temps, une limite de ressources et une limite de moyens? Un autre point qui nous apparaît important dans ces discussions, c'est de pointer du doigt ce qui est souvent un maillon faible, c'est quand on a plusieurs outils, ils ne se parlent pas toujours. Et ça crée des vraies vulnérabilités. Et ça, je pense qu'on a chacun des exemples, justement, où les outils ne se parlent pas. Et donc, du coup, on se retrouve à faire des petits arrangements pour arriver à transmettre, partager, analyser les données. Je ne sais Oui, pas si vous mais êtes. là-dessus, oui. Le grand souci des outils qui ne dialoguent pas, c'est qu'il y a, il y a un risque assez élevé de multiplication en fait de la saisie de données ou de la collecte de données. Et on peut se retrouver avec des données identiques à plein d'endroits différents, alors qu'effectivement, une bonne harmonisation entre les outils permettrait qu'on ait une seule saisie avec un contrôle réellement sur la localisation de la donnée au sein de la structure. Et ça c'est une chose qui est importante. Et ça me fait rebondir là-dessus, enfin, je rebondis là-dessus sur un autre point, c'est que, au final, la première étape peut-être qu'une organisation devrait entreprendre, c'est de cartographier simplement où sont les données personnelles qu'elle traite au sein de son institution. Alors, ça paraît simple comme ça demande un peu de temps, mais c'est la base en fait de toute élaboration de processus ou de procédure dans le cadre de la protection des données personnelles. Mais en tout cas, en faisant cette cartographie, effectivement, on va pouvoir se rendre compte que certains outils collectent enfin, collectent la même information, etc. Et
problème que je rencontre, on va dire que j'ai rencontré dans le cadre notamment de mon étude auprès des institutions brésiliennes sur l'utilisation de plusieurs outils, c'est qu'au final, les utilisateurs ne s'y retrouvent pas parce qu'il y a trop d'outils et ils reviennent sur les tableurs traditionnels, etc., etc., qui sont une mine d'informations qui devient pratiquement incontrôlable en fait. Donc, et ça c'est problématique. Oui, alors là c'est pour moi un sujet où les techniciens n'ont pas encore réussi à trouver les bons mots pour se faire comprendre des non-techniciens. Parce qu'effectivement, moi, tous les techniciens que je connais, sauf ceux qui sont vendus, on va dire, à des grandes entreprises, qui travaillent pour des grandes entreprises, la plupart disent clairement qu'il faut opter pour des outils interopérables. Et les outils qui sont interopérables entre eux, et donc qui respectent les standards établis et qui documentent leur manière de fonctionner, c'est-à-dire tous les logiciels open source. Alors que les non-techniciens sont un peu effrayés par l'open source, ils ont l'impression que ça va marcher moins bien, que ce sera moins pratique, et que donc il faut rester sur des trucs très très commerciaux et très très bien léchés, même si on ne sait pas comment ça fonctionne, et même si ça n'est capable de converser avec aucun autre outil. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai changement de culture à opérer et qu'il va falloir que les experts sachent trouver les mots pour convaincre les décideurs et les usagers finaux de l'importance de ce thème, quoi, de ce sujet. Et parce que oui, comme tu l'as dit, Marilyn, on dit souvent que la sécurité qu'on met en place n'est aussi solide que est aussi solide que son maillon le plus faible. Et donc là aussi, dans la chaîne, on va dire, de décision, moi personnellement, j'ai été confronté plein de fois autour de moi ou chez des partenaires à une liste de cases à cocher. Et les gens qui sont redevables à leur hiérarchie, il faut qu'ils aient le plus de cases à cocher possible. Et ils préfèrent, ils vont préférer qu'elles soient presque toutes cochées sauf une, même si cette unique case non cochée compromet toute la sécurité de tout l'édifice, en fait. Et parce que ce sera le point d'entrée, ce sera, comme tu disais, la porte qui n'est pas fermée à clé et qui fait que tout le reste ne sert à rien. Mais au moins, sur le papier, on aura réussi à montrer qu'il y a 99 cases cochées sur 100. Et donc, on a des faux sentiments de sécurité. Et en fait, du coup, on s'expose d'autant plus et d'autant plus sereinement à des risques d'autant plus gros, finalement. Tout à fait, oui. Alors, pour vous aider face à tout ça, vous retrouverez à la fin de cette présentation une liste de ressources. Mais ce qu'on peut vous dire déjà, c'est qu'aujourd'hui, nous, on va beaucoup se baser sur les productions, les documents et aussi les e-learning qui sont disponibles et gratuits pour tout le monde de la CNIL, spécifiquement pour la protection des données, qui vient justement de mettre à nouveau en ligne un e-learning en 5 modules revisités. Et on ne peut qu'encourager tout le monde à le suivre pour s'informer, pour se documenter. Et ainsi que les e-learning de la NSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui vont vraiment pouvoir en fait, donner des bases et une compréhension de ce à quoi on fait référence quand on parle d'infrastructure et qui va peut-être permettre justement d'arriver à avoir une conversation et mieux se comprendre entre les différents protagonistes et du coup les systèmes d'information. Parce qu'une des problématiques de ne pas se comprendre, c'est aussi de ne pas arriver à exprimer son besoin. Et ça, c'est important. Donc, il y a des ressources qui existent. Il y a une initiative nationale gouvernementale qui s'appelle Cybermalveillance, qui est vraiment faite pour le grand public. Donc, il y a des petites choses comme ça, accessibles à tous. Et vraiment, on vous encourage à les suivre pour justement lever ces risques d'incompréhension et d'inadaptabilité. Dans un autre domaine et dans cette série de webinaires qu'on a fait, on a aussi un webinaire spécifiquement dédié à tout ce qui est un petit peu open source, low-tech, no-tech. Ça peut être intéressant aussi pour des organisations qui n'ont pas des grands moyens, puisqu'il y a des choses qui sont justement disponibles et accessibles à tous pour pouvoir justement peut-être prévoir
un plan B, un plan C, un plan D, quand son plan A ne fonctionne pas, quand on n'arrive pas à dédier du temps ou dédier des ressources pour investir dans des outils et des technologies dont on a besoin. Maintenant, après avoir parlé un petit peu des outils, des infrastructures, on peut aller sur un autre grand domaine de complexité de la protection des données. Et après avoir parlé de la technique, c'est parler évidemment du réglementaire et du juridique, où là aussi, ça peut vite devenir un sujet d'expert, de juriste et d'avocat. Et d'ailleurs, là, on sent bien, quand on commence à chercher un petit peu sur le sujet, que très vite, on se retrouve confronté à des webinaires, des informations de juristes, d'avocats, et que tout ça semble tout à fait insurmontable. Et on peut commencer simplement par le vocabulaire spécifique de la protection des données, qui a beaucoup de faux amis, qui se veut faussement compliqué et qui parfois recouvre des choses que tout un chacun en connaît. Moi, mon préféré, par exemple, c'est donc l'analyse d'impact sur la protection des données, l'AIPD, qui, en fait, dans le jargon humanitaire, pourrait se rapprocher simplement d'une analyse de risque, qui, je pense, est quelque chose qu'on connaît. On ne le fait pas tous, ça dépend évidemment de nos fonctions et de nos positions, mais c'est des choses qu'on a l'habitude d'entendre. Et si on approchait le sujet de la protection des données avec des termes un peu plus abordables, je pense que ça ferait le plus grand bien à tout le monde. C'est sûr qu'une traduction, on va dire, des termes réglementaires est toujours pertinente. Après, moi, sur l'AIPD spécifiquement, oui, ça se rapproche d'une analyse de risque, hein, je suis tout à fait d'accord. La seule petite chose, et que moi, sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est que ce sont les risques sur les personnes dont on collecte les données qui sont à prendre en compte et pas les risques sur l'institution. Donc ça, voilà, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup parce que c'est souvent pas forcément pris dans ce sens-là. Mais effectivement, les règlements, enfin les cadres réglementaires, et Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui, on parle beaucoup du RGPD, mais le RGPD bientôt va être la version macro de beaucoup de réglementations européennes qui sont en cours de discussion, qui vont être des spécifications, on va dire, dans des cadres, en tout cas limités, de la protection des données personnelles. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont en discussion en ce moment. Au-delà de ça, lorsqu'on parle RGPD, c'est très bien, mais lorsqu'on parle organisation internationale, on se confronte à des législations internationales sur la protection des données personnelles également, et notamment l'application du RGPD en dehors des frontières de l'Europe. On a des clauses contractuelles type, qui là aussi peut être un terme un peu trop juridique peut-être. Mais qui doivent être appliquées dans le cadre de transferts hors Union européenne, par exemple. Ces clauses sont figées, hein, elles sont, enfin, c'est la Commission européenne qui les impose, mais à savoir qu'elles obligent aussi, elles exigent qu'on ait la connaissance de la législation locale. Où sont transférées les données et si ces données-là sont, enfin, si cette législation locale ne contredit pas le RGPD, etc., etc. Donc, on voit qu'il y a vraiment un contenu juridique qui est important vis-à-vis de la réglementation, effectivement. Mais à savoir, les dernières études sur le métier de DPO montrent que si c'était un métier qui était peut-être plutôt juridique au départ, hein, par le profil des personnes qui exerçaient le métier, aujourd'hui, on est à moins de 50% de profil juridique. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un métier qui demande de parcourir ces différents univers informatiques, juridiques, métiers, etc., et une compréhension globale pour pouvoir réellement assurer la protection des données personnelles. Moi, j'aime bien rapprocher un petit peu cette notion de complexité avec un petit peu la notion d'accès humanitaire, où là, justement, donc une équipe, qu'elle soit sur le terrain ou au siège, va devoir composer avec tout un tas de paramètres qui se superposent et qui sont assez contradictoires. Où, donc, du coup, il ne va pas y avoir une réponse simple qui va apparaître. Parce que là, du coup, le cas classique auquel tout le monde est confronté, ça va être on est une ONG
Voilà, quelque part en Europe, donc on est soumis au RGPD. On va recevoir des fonds de multiples bailleurs, mais pas que des bailleurs européens, donc par exemple des bailleurs américains, donc ça va être avec des clauses contractuelles spécifiques aux États-Unis. Et on va travailler dans un pays X ou Y qui va lui-même avoir sa loi de protection des données, plus ou moins strict, et qui ne va pas forcément aller dans le sens ni du RGPD, ni de la loi de protection aux États-Unis. Et l'ONG, pour fonctionner, va devoir prendre des décisions par rapport à ça, devoir prendre un certain niveau de risque qui, je pense, dans le futur, va aller de pair avec les mêmes conséquences qu'on a pu voir sur parfois l'accès humanitaire qui va être facilité ou qui va être restreint ou qui va être biaisé en fonction de quelle réglementation on va suivre et à quoi on va se plier. J'allais enchaîner sur après la compréhension de tout ça par les bénéficiaires, mais on va le garder à part parce que c'est un sujet vraiment important aussi et je vais vous laisser la place de rebondir encore là-dessus, sur ces contraintes bailleurs et multiples. Oui, et puis alors moi j'ai quelques illustrations sur le terrain, donc au niveau donc des droits qui peuvent être des différents droits qui peuvent être en conflit, comme tu as dit, Marilyn. Et également quand on ajoute à ça le fait qu'on a de plus en plus souvent des sous-traitants ou implementing partners ONG qui sont locales et donc soumises au droit local. Et donc, si elles traitent nos données, il faut qu'on leur fasse signer un data processing agreement. Je ne saurais pas le dire en français. J'imagine Un accord de traitement sur les ouais, données. un accord de traitement sur Okay. les données, mais qui pour ces sous-traitants ou partenaires locaux n'ont guère de sens, puisque c'est une application du droit européen. Et parfois ils ont des sous-traitants en plus eux-mêmes. Et en plus tout ça, c'est destiné à protéger des bénéficiaires ou des potentiels bénéficiaires qui ne sont pas sous la juridiction européenne. Et qui en plus ont a priori aucun recours devant des juridictions européennes s'ils s'estiment lésés, y compris en regard du droit européen. Ce qui fait que en plus des problèmes d'application, il y a aussi des problèmes d'applicabilité, j'imagine. Et tout ça, ça devient une espèce de soupe assez confuse qui, moi, me fait penser que, de toute manière, il y a une chose qui peut nous sauver, enfin, qui peut en tout cas sauver notre santé mentale de DPO dans l'humanitaire, c'est que, de toute façon, en tant qu'humanitaire, on est censé être dirigé par des principes qui sont censés être bien au-dessus des exigences minimales de la loi. Donc, essayons de viser un idéal et un horizon d'intérêt de l'usager, intérêt qu'il soit bénéficiaire ou potentiel bénéficiaire ou personne affectée par une crise. Je pense que ce qui peut nous sauver, c'est de garder comme cap le plus haut intérêt et le plus faible risque de ces populations, plutôt que de résoudre le casse-tête des différentes applicabilités et applications des différents droits au croisement de l'action humanitaire. Je vais rebondir ce que tu dis et pour faire référence à la carte qu'on voit à l'écran actuellement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a donc des pays en rouge, où donc il y a des lois sur la protection des données qui sont vraiment en place et strictes. Mais si on creuse un peu, on voit bien qu'entre le RGPD européen, qui met quand même à l'honneur le respect des droits des personnes, la protection de la donnée qui peut s'appliquer en Chine avec tous les systèmes de surveillance et de contrôle, et par exemple des outils type le Patriot Act aux États-Unis, on voit bien que les gouvernements ne sont pas à la recherche des mêmes choses avec ces lois de protection des données. Et c'est là où c'est crucial pour garder un petit peu sa boussole dans ce que tu dis, Frédéric, c'est de dire, bah oui, mais en tant qu'humanitaire, nous, on a nos principes qui doivent nous guider pour surtout la protection
des bénéficiaires des programmes d'aide. Et là, ça renvoie, et on va en parler dans un instant, à la compréhension de tout ça par les premières personnes concernées, à savoir les bénéficiaires. Et ça pose aussi la question un petit peu de, ben, quand on ne sait pas, est-ce qu'on n'aurait pas mieux intérêt à ne pas collecter toutes ces données, en fait. Et là aussi, je vais renvoyer sur un autre webinaire qu'on a dédié à l'infobésité, donc à son pendant l'infosobriété, qui est une réflexion pour dire, ben, aujourd'hui, on est de plus en plus entouré de données, il y a plein d'outils qui nous promettent tout un tas de choses, mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir une vision et une approche beaucoup plus raisonnable et raisonnée de tout ça. Parce que finalement, si on n'arrive pas à protéger les données avec des outils ou si on ne sait pas trop comment se positionner avec ces cadres réglementaires qui se superposent, bah, peut-être essayer de réfléchir à des solutions pour ne pas avoir à se poser ces questions-là. Et notamment, c'est l'un des principes, hein, du règlement sur la protection des données personnelles, qui est le principe de minimisation. Donc, c'est ce principe qui dit que réellement, on doit collecter les données qui sont strictement nécessaires à l'objectif qu'on s'est fixé. Mais voilà, donc ça, c'est typiquement quelque chose qui est repris enfin, dans le texte réglementaire, hein, comme un principe de base. Et pour revenir à la carte, effectivement, la CNIL aussi a une carte. Qu'elle met à jour régulièrement en fonction des avancées réglementaires des différents pays, où sont indiqués les pays qui sont considérés adéquats au RGPD quand ils sont hors Union européenne, enfin, l'état d'avancée, on va dire, des autres pays en fonction de s'ils ont une autorité de contrôle, s'ils ont des lois sur la protection des données personnelles, etc. Peut-être, Frédéric pourra peut-être revenir dessus, mais c'est vrai que cette carte, elle est très intéressante. Mais par exemple, dans le cas des États-Unis, bah, on sait qu'il y a l'invalidation du Privacy Shield aujourd'hui. Donc, ils ont effectivement des lois très robustes, mais qui nécessitent malgré tout la mise en place de certaines mesures pour réellement pouvoir réaliser des transferts vers les États-Unis, par exemple. Oui, exactement. Et d'ailleurs, pour moi, on en vient à toucher à finalement un concept plus large en droit qui est à la fois l'état de droit et la souveraineté. Puisque, alors, l'état de droit dans sa dimension, dans quelle mesure l'état lui-même se restreint-il à respecter les règles contraignantes dans son contrôle de la population et des données, et la souveraineté, bien sûr, puisque quand dans l'humanitaire on opère sur une terre étrangère, elle ne va pas accepter, enfin, le gouvernement de cette terre étrangère ne va pas accepter que ce soit le droit étranger qui s'applique pour les ONG et non pas son droit à elle. Donc, si on est dans un État qui, sur le point de vue des données personnelles, n'est pas vraiment un état de droit fort, comme par exemple les États-Unis, puisque l'État n'a en pratique quasiment aucune limite sur le contrôle des données des organisations privées ou publiques des États-Unis. Et avec la souveraineté, ce qui fait que finalement, c'est une réelle protection des données est inapplicable. C'est inapplicable aux États-Unis, c'est inapplicable dans plein d'autres pays du monde. Et même en Europe, chaque pays est quand même se garde quelques possibilités de contrôler des données pour le contre-terrorisme, etc., avec des garde-fous qui sont appréciables. Mais après, il faudrait être capable, comme il est dit d'ailleurs dans le jugement de la Cour européenne de justice, il faudrait être capable d'étudier le droit de chaque pays dans lequel on opère pour contrôler qu'il est bien compatible avec le niveau de protection exigé par les RGPD, ce qui demanderait une expertise et des ressources humaines phénoménales dans le juridique. Oui, tout à fait. On voit bien là qu'on se heurte encore très rapidement
Voilà quelque chose qui peut se complexifier et qui peut. C'est là où on se dit, bon, ben, on n'a pas d'autre choix mais que de se tourner vers des experts qui vont nous dénouer tout ça. Mais comment on fait quand voilà, quand on n'a pas forcément les moyens et qu'on est face à tout ça? Et c'est là, en fait, dans cette discussion, on voudrait vraiment remettre au cœur du sujet les gens, les bénéficiaires, les staffs qui sont confrontés à ça et qui, eux, sont à des. Très très loin, physiquement et dans le quotidien, sur ces enjeux-là. Et bah justement, notamment, Frédéric, toi, tu as commencé toute une étude par rapport justement à la compréhension des bénéficiaires, de tous ces sujets-là, de collecte de données et autres. Et je pense que ton témoignage est précieux. Oui, malheureusement, cette étude, elle est un peu en veille depuis 6 mois parce qu'on a des problèmes de financement. J'espère qu'elle pourra être terminée dans l'année qui vient. C'était une donnée qui, donc, dans le cadre ici au Liban de l'action de la réponse à la crise syrienne avec les réfugiés syriens, dans mon consortium, on travaille que sur ceux qui touchent une assistance en argent liquide, enfin ou en argent sur une carte de paiement. Donc, ce sont les plus vulnérables. Et on a lancé une étude pour essayer de comprendre jusqu'où les réfugiés syriens avaient conscience des risques quand ils partagent leurs données avec les ONG ou avec les agences de l'ONU et jusqu'où ils étaient conscients de leurs droits. En fait, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'études, toute la partie quantitative n'a pas été faite. On a juste eu le temps de faire quelques groupes de parole. Et sur ces groupes de parole, on a dû en faire une douzaine avec 6 ou 7 personnes. Donc voilà, sur une petite centaine de gens, honnêtement, il y en a, à part une ou deux personnes, tout le monde nous a dit qu'il faisait aveuglément confiance aux ONG et aux agences onusiennes, que quelle que soit la question qu'on leur poserait, ils répondraient. Et que d'une part, ils n'ont aucune conscience qu'il puisse y avoir le moindre risque, ils ne voient pas le mal qu'on pourrait leur faire à partir de ces informations-là qu'ils partagent, alors qu'il y a des informations sur le niveau d'éducation, sur les conditions médicales, sur le travail des enfants, le travail irrégulier, le travail illégal, enfin, des choses quand même assez sensibles, mais eux ne voient pas le problème. Et sont encore moins conscients qu'il peut exister des droits à propos de ce sujet-là. Et en fait, ils pensent que comme on est des humanitaires et comme on est là pour les aider, ils voient pas en quoi pourquoi on ferait quelque chose qui leur nuirait en fait. Donc ils ont vraiment une confiance en nos capacités de protéger les données et en notre bonne volonté et en presque notre omniscience au niveau des protections des données. Et en plus, il y a évidemment la dynamique des pouvoirs qui est autant perçue que réelle et qui est que même si au cours d'une enquête ou au cours d'une évaluation ou au cours d'une recherche, même si on répète beaucoup que le fait que la personne participe à l'enquête ou à l'activité n'aura aucune incidence sur sa future éligibilité à des assistances, à des aides, la personne se dit que il peut y avoir une chance sur 1 million que quand même si. Il peut y avoir une chance sur 1 million que cette personne soit plus visible ou qu'elle rencontre quelqu'un ou qu'elle soit qui est une opportunité, peu importe laquelle, qui va faire qu'elle aura peut-être une aide supplémentaire. Et donc, ils sont dans un tel état de détresse que cette petite chance sur 1 million supplémentaire, c'est bon à prendre. Et donc, ils vont dire oui à tout, même si c'est pour gagner 0,0001% de chance d'avoir quelque chose. Et donc, toutes ces choses mises bout à bout font que finalement, le dernier rempart pour la protection des données, c'est vraiment les décisions que nous, les humanitaires, nous prenons, parce que il n'y aura aucune retenue de la part des bénéficiaires à ce niveau-là. Ouais, et Petite précision, ils étaient tous donc très vulnérables et donc 80 à 90% étaient illettrés. D'accord. Ouais, et cette précision, elle est fondamentale parce que
Quand on parle de la protection des données personnelles, d'abord, moi, c'est vrai que ce débat, effectivement, je suis tout à fait en accord avec Marilyn, avec vous, pour qu'on le ramène du point de vue des bénéficiaires, puisque finalement, c'est les données personnelles de ces personnes qu'on doit protéger et sécuriser. Cette dernière petite information que tu as donnée, Frédéric, elle est fondamentale parce que dans les principes et puis dans les règles qu'on doit respecter au niveau de la protection des données personnelles, il y a notamment les mentions d'information. C'est-à-dire qu'on doit informer les personnes de l'objectif de la collecte, de qui va avoir accès aux informations, etc., etc. Et lorsqu'on a affaire à des personnes illettrées notamment, comment faire comment repasser ces informations pour qu'on soit certain que les personnes concernées les aient reçues et les aient comprises. C'est un enjeu qui n'est pas négligeable et c'est un enjeu qui est important. Donc, il y a des groupes qui travaillent dessus, par exemple, sur la présentation de mentions d'information de manière graphique, par exemple, en évitant les textes, mais de manière graphique. Ça pose également la question du consentement, le recueil du consentement. Je crois que Frédéric a eu aussi une expérience là-dessus. Comment recueillir le consentement? Est-ce que le consentement peut être considéré valide lorsqu'on le recueille dans ce contexte-là également? Parce qu'on va pas faire en détail, mais le RGPD demande que le consentement soit notamment libre, soit éclairé, soit spécifique, univoque, etc. Et dans le cas de données sensibles comme les données de santé, par exemple, il faut aussi qu'il soit explicite. Donc, c'est énormément d'exigences autour d'un consentement qui, s'il ne les remplit pas, peut être considéré non valide. Donc, est-ce que la base légale serait finalement le consentement du recueil des données dans ce contexte-là? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet-là. Et je pense, pour revenir à ce qu'on disait tout au début sur l'attaque qui a concerné la Croix-Rouge et sur ce qu'a dit Frédéric, c'est-à-dire que c'était une attaque ciblée, mais donc une attaque qui demandait des importants investissements financiers. Ça veut dire, et ça répond peut-être à une idée reçue qu'on retrouve dans l'associatif, qui est peut-être de se dire que les données des bénéficiaires, bon, finalement, elles sont pas si importantes dans le sens personne va nous attaquer parce qu'il n'y a pas tellement d'intérêt autour des données des bénéficiaires. Moi, je pense que l'attaque à la Croix-Rouge nous a montré que si, les données des bénéficiaires, elles ont un intérêt économique, financier ou autre sur lequel il faut vraiment qu'on ait un regard parce que, et notamment si on parle des... Enfin voilà, dans nombreuses missions des organisations, des données qui sont liées par exemple à l'orientation sexuelle peuvent avoir un impact direct très, très important sur les personnes concernées, peuvent mettre en danger la sécurité de nos personnels aussi, nos opérationnels sur les missions. Enfin voilà, donc il y a vraiment un enjeu sur les données qui est pas négligé. Et qui reste important et qui renforce la nécessité d'avoir un regard dessus. Là, si on peut faire des ponts avec l'actualité, qui est malheureusement pas très bonne, mais là, on a plusieurs situations où on va parler de bénéficiaires, mais qui sont proches de nous, qui sont tout à fait éduqués, lettrés et autres, et qui pourtant risquent de se prendre de plein fouet ces travers-là. De manque de gestion de la protection des données. Et je fais référence à deux situations. C'est déjà tous les mouvements de population qu'on voit depuis le début de la crise en Ukraine, où on a ces femmes et ces enfants qui partent, qui traversent l'Europe et qui sont à la recherche de protection, d'un logement, d'un transport. On a pu voir dans notre travail de cartographie chez Carto NG qu'il y a eu une multitude d'initiatives plus ou moins structurées, personnelles et autres pour justement rapprocher l'offre de la demande. Donc des choses super de temps d'attente à des points de passage frontières, de propositions d'hébergement, propositions de transport.
Donc ça, c'était super, sauf qu'en fait, c'était sur des Google Docs mal protégés et en sachant simplement changer l'URL, c'était à la portée de tout le monde, pas besoin d'être un hacker professionnel pour faire ça. En fait, on se retrouvait à avoir accès à des listes de contacts avec les noms, les emails, les numéros de téléphone. Et donc là, c'est la porte ouverte à tout et à n'importe quoi. Bien sûr, les gens qui ont donné leur contact, ils l'ont fait de façon volontaire. Donc, dans ce sens-là, ils ont consenti. Sauf que là, on est sur un outil dont l'utilisation n'est pas du tout maîtrisée et pas du tout bornée, et qui peuvent être récupérés par des personnes qui n'ont pas du tout de bonnes intentions. Donc, ça, c'est le premier cas de figure. Et ça, je pense que là, toutes les organisations humanitaires pourront se retrouver là-dedans ou ont pu en être témoins. Et puis, ben, là, de cette semaine, on a la décision de la Cour suprême aux États-Unis donc d'abolir le droit à l'avortement, où là, du coup, on a tout un tas de personnes qui vont se retrouver potentiellement victimes de ce changement. Et aujourd'hui, de par justement la législation américaine, se posent des questions de. Est-ce que des personnes qui, voilà, qui pourraient rechercher, qui pourraient avoir besoin d'avorter, ne vont pas être traquées, ne vont pas être suivies à cause des traces que leur GPS va laisser, des traces, des recherches sur des sites qu'elles ont pu faire. Et là, ça ouvre tout un pan de vulnérabilité sur des personnes qui sont vulnérables. Donc là, on est vraiment rattrapé un petit peu par la réalité. Donc ça, pour moi, c'est important de faire ce pont-là parce qu'on est tous concernés. Et si justement il y a ce besoin de pédagogie ou de comprendre que ça peut toucher tout le monde et qu'on a en tant qu'humanitaire, cette responsabilité supérieure vis-à-vis de nos bénéficiaires, c'est essentiel parce que les conséquences peuvent être vraiment graves. Alors, juste, je rajoute un petit truc à propos du consentement. C'est que c'est une chose dont je suis de plus en plus convaincu et je vois qu'au Bureau de la protection des données du CICR, on est sur la même longueur d'onde. Ils pensent à peu près la même chose que moi et je suis en train de lire le super livre de Shoshana Zuboff, L'âge du capitalisme de surveillance, et ça touche à des choses similaires, c'est-à-dire que je crois pas au consentement éclairé. Et j'y crois de moins en moins. C'est-à-dire que les données, la data avec l'intelligence artificielle, les big data, et donc les deux combinés, le machine learning, etc., la donnée a des ramifications et des implications qu'un cerveau humain ne maîtrise pas, en fait. Et alors surtout pas quelqu'un de non technicien, mais même un technicien, il peut pas encore se figurer. Tout ce qui est possible avec l'ensemble de données qu'on a. Et donc, je veux dire, ça revient, Shoshana Zuboff, elle dit dans son livre, ça revient à se poser des questions du partage du savoir, parce que l'information, c'est le savoir, les données, c'est le savoir. Donc, qui sait, qui décide qui sait, et qui décide qui sait. Et pour l'instant, c'est des acteurs qui sont tellement gigantesques et tellement diffus que ça nous échappe complètement. Et donc, quand on consent, on ne sait absolument pas, même si on est un brillant chercheur ou ingénieur, quand on consent, on ne sait absolument pas finalement à quoi on consent. Et même si on a une petite idée de ce à quoi on consent aujourd'hui, on ne sait pas ce que cette donnée deviendra dans 5 ans ou dans 10 ans avec les technologies et les inventions du futur. Donc, au final, aujourd'hui, par exemple, petite illustration, dans toutes les applications Android et Apple pour voir ses contacts, donc on a tous ça, on a tous une application qui gère les contacts, et bien toutes ces applications disent qu'elles aspirent tous les contacts, tous les détails des contacts, et que c'est à nous, l'usager, de s'assurer que tous nos contacts ont consenti à ça. Donc, des fois, j'ai du temps à perdre. Je lis les conditions d'usage des applications là, qui font 10 pages. J'en ai lu au moins une quinzaine, une vingtaine, parce que je cherchais une application de contact. Toutes, elles disent ça. Elles disent, il est de votre responsabilité légale de vous assurer que vos contacts consentent à ce qu'on aspire leurs détails. Et on dit tous qu'on accepte et qu'on consent parce qu'on a envie d'avoir l'application. Et alors, là encore, c'est pour des contacts, mais des fois, c'est pour casser du sucre et quelquefois, c'est même pour des trucs encore plus anodins que ça. Et donc,
même nous qui sommes, on va dire, lettrés, éduqués, etc., notre consentement n'est pas du tout éclairé. Et donc, quelqu'un qui est dans une situation de vulnérabilité, je ne vois pas en quoi il sera plus éclairé, et donc, parce qu'il sera encore plus dans le besoin d'obtenir une assistance, etc. Donc, je crois pas, je crois de moins en moins au consentement éclairé. Et je crois donc qu'il faut que les décisions de protection des données se basent sur des principes et des idéaux et l'intérêt du bénéficiaire plutôt que sur le consentement. Je pense que c'est très important d'avoir cette clairvoyance-là vis-à-vis des risques pour justement essayer de ne pas nuire, qui est donc voilà, un des piliers, un des principes cardinaux pour pouvoir peut-être pas trouver la solution parfaite, mais en tout cas celle qui crée le moins de dommages et de préjudices auprès des bénéficiaires. Et ça nous emmène un petit peu sur la dernière partie de cette discussion, qui était justement de voir un petit peu tous ces risques invisibles, tous ces risques qui n'ont pas de substance aujourd'hui, qui sont là, peut-être, on ne sait pas, ils ne sont pas là tout de suite, peut-être que ça va venir plus tard. Donc là, c'est un magnifique exemple sur finalement le consentement non éclairé, parce que oui, on ne sait pas, on n'a pas la capacité de comprendre toute la chaîne d'utilisation de nos données. Et ça, on peut le voir à différents niveaux aussi, au niveau d'une organisation, de ses bénéficiaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, les bénéficiaires n'ont pas vraiment l'espace de se fédérer pour justement demander des comptes aux organisations. Mais ça ne veut pas dire que dans le futur, ça ne sera pas le cas et ça ne sera pas tout à fait légitime. On a, je pense, tous des exemples de désinformation, de manipulation des informations qui ont déjà qui font des ravages et qui touchent évidemment au travail des ONG. Et c'est tout aussi important que des risques purement techniques ou juridiques. Juste petite mention pour des articles du journal Fakir et du journal Mediapart qui ont fait une espèce d'enquête conjointe qui démonte une vaste entreprise de désinformation par une entreprise spécialisée dans la désinformation en France. Et donc évidemment pour le compte de gens qui ont plutôt du pouvoir en général. Oui, et puis on a de nombreux cas qui sont déjà documentés, avérés à des sphères assez importante, hein, où justement l'intelligence artificielle dont vous parliez tout à l'heure est mise à l'usage pour des décisions gouvernementales presque, hein, puisque la décision du Brexit, par exemple, mais aussi l'élection de Donald Trump sont des éléments où on a déjà eu la preuve et la documentation qu'il y a eu utilisation d'intelligence artificielle pour tenter de manipuler certaines personnes, certains votants, certains électeurs indécis, etc. Donc effectivement, c'est des éléments qui sont importants et qui sont avérés déjà. Et qui finissent par reboucler sur l'humanitaire, donc là, je pense que Jérémy, tu faisais référence à Cambridge Analytica. Et on a une autre société qui est du même type, qui s'appelle Palantir, et qui a déjà été condamnée d'ailleurs pour des choses pas très claires, au service de gouvernement ou au service de grandes banques. Et cette entreprise-là est maintenant partenaire à hauteur de 50 millions du Programme alimentaire mondial, qui est la plus grosse agence humanitaire au monde, et dont le directeur actuel est un ancien lieutenant de Trump. Donc, et le fondateur de Palantir est un autre lieutenant de Trump. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se recoupent là-dessus. Et donc, on se retrouve dans le monde humanitaire, finalement, à être confronté aux mêmes turpitudes que dans le monde du privé, quoi, du capital. Et Et c'est si vrai je peux que rajouter un cas dont on n'a pas du tout parlé aussi aujourd'hui, c'est l'Afghanistan, où là on ne parle pas de risques qui sont invisibles au sens qu'on ne les voit pas, mais plus
que le manque de préparation d'une instance comme l'armée américaine, qui est à peu près l'instance la plus puissante au monde, n'est pas réfléchi aux conséquences d'un départ rapide avec toutes les bases de données, par exemple sur le personnel humanitaire, qui ont été mis dans les mains très facilement des talibans à leur arrivée au pouvoir. Derrière, c'est le genre de choses où enfin, les ONG ne peuvent pas se projeter sur ce genre de situation, et c'est plus l'écosystème dans lequel naviguent les ONG, où elles ont une dépendance très forte à une actualité politique, où elles ont besoin aussi de réfléchir à ce genre de risque pour ne serait-ce qu'alerter le système sur ce genre de situation. Et on se retrouve en tant qu'humanitaire un peu la dernière roue du carrosse à devoir gérer a posteriori les conséquences de tout ça, alors qu'au final, c'est pas du tout de notre fait, mais qu'on est juste là à subir. Il faut des fois réussir à sortir de cette situation, à subir et être un petit peu plus proactif. On n'a pas aussi parlé de la situation des Rohingyas et de la réutilisation de leurs données. C'est peut-être aussi le genre de situation où on aurait pu, en tant que communauté humanitaire, un peu plus alerter en amont pour éviter les conséquences qu'on sait de transmission des données sans consentement éclairé à des personnes. Tout à fait. Et puis, c'est vrai que, par exemple, là, il y a beaucoup de ressources. Donc, le secteur s'en soucie. Là, par exemple, dans la crise ukrainienne, on voit bon, il y a une telle pléthore d'informations, de vidéos, de captations, de moments et autres, que là, je vois sortir pas mal de documentation sur une réflexion de dire comment documenter de façon responsable, par exemple, des exactions, de ce qui peut être amené à être qualifié de crime de guerre. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on en fait de tout ce matériel, en fait ? Comment on l'envoie, à qui on l'envoie ? Où est-ce qu'il va être stocké, comment il va être utilisé. Et là, c'est vrai qu'on est face à un tsunami d'informations, et on voit bien dans les reportages des différentes équipes de la CPI de la Haye, des procureurs, de la police, où du coup, tout ce travail d'enquête est très fouillé, très complexe, et on va dire, se percute avec la vague énorme d'informations diverses et variées qui viennent de tous bords du public, qui veulent contribuer justement à documenter toutes ces actions. Donc ça va certainement encore repousser les limites de qu'est-ce qui peut être fait et comment ça peut être fait pour que la finalité soit efficace et que des situations puissent être adressé et qualifié correctement en fonction du droit international, et qu'on rentre pas justement dans des campagnes de désinformation, enfin, et de garder un petit peu sa boussole par rapport au bien des populations qui sont affectées. Donc ça aussi, tout ça, pour moi, ça participe à l'invisibilisation des risques quand justement il y a trop de matière partout, il y en a dans tous les sens, et on perd un petit peu le sens commun et le sens des priorités, je trouve. Ouais, et puis je suis un fervent défenseur du fait que la protection sur les données personnelles, sur la vie privée, est un droit fondamental, et que au même titre que d'autres droits, hein, sur la santé ou d'autres, qui sont déjà des défendus et, enfin, voilà, par les organisations. Et pourquoi pas incorporer cela que le droit à la protection sur notre vie privée, sur la vie privée des bénéficiaires des programmes, soit un droit qui soit mis en avant aussi par les organisations, que les personnes concernées et bénéficiaires puissent être réellement davantage conscients, hein, comme Frédéric disait, si peu de personnes ont conscience que justement il existe des droits, qu'ils ont des droits et que leurs données peuvent être protégées, doivent être protégées. Ça serait déjà une grande avancée, pardon, si on arrivait justement à sensibiliser ces personnes et réellement à leur rendre entre guillemets, le contrôle sur leurs données de ce point de vue-là.
Et on voit bien qu'on arrive un petit peu comme sur tous les risques et les sujets qu'on a abordés, c'est qu'on se heurte un petit peu à un manque de moyens. Et c'est là où moi, je suis convaincue que les ONG devraient monter au créneau avec les bailleurs de fonds, devraient engager cette discussion pour que ça soit pris en compte et que les bailleurs de fonds vraiment aident, soutiennent les ONG un petit peu à s'outiller, à se mettre en conformité, parce que ça ne peut pas être juste une injonction. Ce n'est pas réaliste, en fait. Moi, j'ai déjà entendu dire, bah non, on ne va pas financer la protection des données, puisque c'est la loi. C'est la loi, tout le monde doit respecter la loi. Ben c'est très simpliste. Et puis surtout, quand on creuse assez rapidement, on arrive sur des écueils, que ce soit voilà, réglementaire, d'outillage ou de juste réalité et de ce qu'on peut faire vis-à-vis de ces équipes. Parce que c'est pas tout de leur dire, ben voilà, faut respecter la loi, mais si on leur donne pas les moyens, si on leur donne pas les moyens de parler aux bénéficiaires de qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, on n'est pas droit dans nos bottes, on respecte pas vraiment les principes qu'on essaie de défendre. Donc, l'aide humanitaire, ça devient, c'est très concurrentiel, on le sait, mais pour moi, aujourd'hui, les ONG devraient être courageuses et vraiment ne pas hésiter à solliciter l'aide des bailleurs de fonds sur ce sujet-là. Oui, complètement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça et je pense que c'est même dans l'intérêt des bailleurs, hein. De toute façon, qu'on amène ce sujet-là et qu'on le porte, qu'on construise avec eux, finalement, le chemin pour la protection des données personnelles, effectivement. Moi, j'ai constaté beaucoup de frilosité à ce niveau-là chez les ONG. J'ai l'impression, je peux pas en être certain, mais j'ai l'impression que c'est parce que les gens d'ONG ont peur de passer pour de mauvais élèves auprès des donateurs. C'est-à-dire que, comme tu as dit, Marilyn, c'est la loi, c'est censé être la loi, donc on est censé déjà être conforme. Et donc, si on commence à dire à des bailleurs, ben, on a besoin d'argent pour devenir conforme, ils vont dire, mais comment ça, vous n'êtes pas déjà conforme, mais on va plus jamais vous donner d'argent, alors que vous faites du travail d'amateur. Et je ne sais pas si les donateurs diraient réellement ça, mais j'ai l'impression que parmi le personnel dirigeant des ONG, il y a un peu cette crainte d'être perçu comme ça. Et ouais, donc je n'ai pas de solution à ça, mais c'est une sensation que j'ai. Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'évidemment, il y a une peur qui est tout à fait légitime. On ne veut pas passer pour un mauvais élève, mais je pense qu'à long terme, ce n'est pas un bon calcul. Je pense, et moi, justement, dans ma position très confortable de pouvoir librement discuter de ces sujets-là sans avoir justement des programmes opérationnels et des bénéficiaires et des équipes en bout de course. Finalement, quand on en discute, tout le monde, y compris les bailleurs de fonds, c'est des sujets, c'est pas des experts en la matière non plus, et eux aussi, à titre personnel, organisationnel, sont confrontés à une mise en conformité qui les dépasse aussi. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'après, il faut trouver la case dans laquelle s'inscrire, mais c'est vrai que justement, ils sont sensibles à la redevabilité, à la qualité des données, des indicateurs et une meilleure protection de la donnée, ça en fait partie. Et je pourrais ajouter que ça peut faire partie des vulnérabilités qu'on expose dans les petites guéguerres internes de l'humanitaire. Par exemple, à un moment donné, le Programme alimentaire mondial ne voulait pas ne voulait pas partager avec nous des données. Alors, on est censé monitorer leur action, ici, dans mon consortium à Camilleon. Mais ils n'avaient pas envie de nous passer ces données-là. Donc, ils ont envoyé un truc avec les donateurs en copie qui disent, bon, ben voilà, on partagera nos données avec Camilleon quand leurs trois ONG auront fait un audit complet pour être certifié ISO 27001, quand il y aura eu des tests de pénétration, quand ceci, quand cela, parce que ce sont des données sensibles, etc. Alors que eux-mêmes, le Programme alimentaire mondial, sont très, très loin de respecter ces standards-là. Bien sûr. Ils sont très mauvais, d'ailleurs. Ils sont particulièrement mauvais dans la protection des données, mais bon, et voilà. Donc voilà, ça peut être utilisé aussi à nos dépens d'admettre qu'on a besoin de s'améliorer Tout à dans fait. la protection des données. Après, je crois qu'on peut quand même s'appuyer sur certaines choses, hein. Je veux dire, il y a quand même
à mon sens, à une compréhension implicite que le règlement général sur la protection des données n'est pas quelque chose d'évident à mettre en œuvre, que nombreuses organisations, et pas que dans l'humanitaire, n'ont pas encore, enfin, ne peuvent pas prétendre encore assurer une conformité à 100%. Enfin, voilà, je veux dire, ce n'est pas des secrets de dire ça. C'est des choses qui sont assez, assez généralement comprises et entendues. D'autre part, il y a des constats qui sont faits par la propre, enfin, le Comité européen sur la protection des données, qui lui-même, au bout de 3 ans du RGPD, l'un des constats qu'il a fait, si je ne me trompe pas, c'était qu'il fallait davantage d'action de la part des autorités de contrôle pour l'aide, le soutien, la communication au secteur associatif, notamment. Donc, il y a un constat qui est général donc, sur lequel on peut s'appuyer. Et je pense qu'un autre argument également, pour moi, à mon sens, c'est la forte complexité des actions qui sont menées, notamment sur les terrains humanitaires, le règlement ne prévoit pas ce type de choses. Donc, ça, c'est vraiment des spécificités qui peuvent être mises en avant, je pense, dans le cas de discussion avec des bailleurs, notamment. Enfin voilà. Et puis juste pour compléter ce que je viens de dire, la CNIL a émis récemment un guide pour les associations, par exemple, qui est une manière en tant qu'autorité de contrôle, d'appuyer un peu plus, de soutenir un peu plus le travail des associations dans leur mise en conformité. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'arguments qu'on peut utiliser auprès des bailleurs. Je pense qu'il y a une compréhension, mais effectivement, j'entends tout à fait et comprends tout à fait le point que Frédéric a souligné et que toi aussi, Marilyn, tu as dit sur cette peur qu'il peut y avoir effectivement de partager cela. Et ce qui ramène aussi à un autre risque que j'appelle le facteur humain, en fait, c'est que, voilà, on l'a déjà dit plusieurs fois au cours de cette discussion, mais il faut en parler, il faut faire passer les messages, il faut que les gens s'y intéressent. Ce n'est pas facile, c'est a priori assez rebutant, c'est un peu la protection des données, c'est un peu la mise en conformité, c'est un peu essayer de monter sur l'Everest. Mais ça peut être abordé une étape à la fois et pour le bénéfice de tous. Ça ne va pas disparaître, bien au contraire. Donc, à un moment, il va bien falloir un petit peu que tout le monde se penche dessus d'une façon ou d'une autre. Mais ça peut aussi amener des bonnes choses pour justement un meilleur travail et dans un meilleur respect des principes qui nous guident en tant qu'humanitaire. Pour conclure, on a fait un petit peu une sélection de ressources qui peuvent être utiles. On en a déjà évoqué quelques-unes au fil de cette conversation. Alors là aussi, il y a une pléthore de ressources, de choses à lire. Depuis le passage du RGPD en 2018, je pense qu'absolument tous les bailleurs de fonds ont produit des notes ou des manuels spécifiques sur la protection de la donnée. Bon, qui heureusement, a priori, disent à peu près tous la même chose, mais en gros, c'est difficile de s'y retrouver dedans. Nous, à Carte ONG, on fait une veille documentaire où on essaie justement un petit peu de sélectionner des ressources qui peuvent être vraiment utiles et applicables par le plus grand nombre. Donc là, on a un petit peu listé quelques-unes, donc parmi les essentielles. Alors bon, là, c'est un petit peu le contre-exemple parce que le manuel du CICR, qui est un incontournable, c'est quand même un pavé de 300 pages, mais qui couvre tous les sujets. Donc, c'est bien de le connaître et puis de pas de l'apprendre par cœur, mais de naviguer dedans. Il y a quelque chose, un document extrêmement bien et synthétique qui est sorti il y a quelques semaines sur le partage des données, qui est un grand sujet d'inquiétude. Et on l'a déjà évoqué par quelques exemples. Donc, le partage des données, que ce soit en interne d'une organisation entre différentes équipes, que ce soit vers des autorités locales, que ce soit avec les bailleurs de fonds, parce qu'aujourd'hui, c'est là que se percutent, une fois de plus, les cadres réglementaires où il faut faire attention à tout un tas de choses. Puis, il y a juste des habitudes qui sont là et des façons de travailler depuis des années et qui ne peuvent pas non plus s'arrêter et se repenser du jour au lendemain. On a des plus petites ressources type l'apprentissage RAD, qui sont des choses un petit peu des checklists un petit peu de comment réfléchir à une politique d'archivage de ces données et voire de destruction, qui est un autre gros
problème puisqu'on a beaucoup, beaucoup de mal à détruire des données et à s'en séparer. Donc là aussi, il y a un autre webinar voilà, sur l'infosobriété où on parle de ce sujet-là. Et puis d'autres checklists sur justement comment choisir certains types d'outils de façon responsable, comment développer des enquêtes par téléphone de façon responsable ou dans le respect de la protection des données et bien d'autres. On a parlé de quelques-unes des formations en ligne et des ressources qui sont développées par la CNIL, par la NSSI, par le gouvernement derrière différentes initiatives comme cybermalveillance. Donc il y a beaucoup de choses et là-dessus on vous encourage à vous diriger vers l'IAM Resource Portal de Carto NG où justement on essaie un petit peu de filtrer tout ça et de mettre à disposition des choses qui sont vraiment utiles pour le secteur. Bah, merci Marilyn, merci Jérémy, merci Frédéric. C'était un échange passionnant et je pense que vous avez aidé beaucoup de gens à déchiffrer un petit peu le sujet, également à donner beaucoup d'exemples pour aider les gens à s'approprier le sujet. Enfin, je pense qu'une des problématiques principales dont on a parlé, c'est l'importance de sortir un peu le sujet de la main, enfin, que ce soit uniquement de la main des juristes et des techniques, et que ce soit un peu plus les opérationnels et voire même les bénéficiaires eux-mêmes qui s'emparent du sujet. Donc, je pense que là-dessus, c'est clairement la voie à suivre pour aider les ONG à ce que le sujet soit un petit peu plus diffus et qu'un sujet initialement assez complexe soit un peu déconstruit en petites briques qui, elles, comme on l'a vu sur la question du consentement, peuvent se simplifier assez rapidement. Donc, merci beaucoup. Quelques informations sur des événements liés qui peuvent vous intéresser. Donc au-delà des ressources déjà partagées. Donc la semaine prochaine, il y aura un webinaire sur l'infosobriété en pratique que pareil, vous pourrez revisionner au besoin sur la chaîne YouTube de Carto NG. Et j'aimerais surtout vous parler du GONG, qui est donc le forum qu'on organise tous les 2 ans au centre de congrès à Chambéry, mais ce sera également un événement hybride. Qui touche un peu à certains sujets dont on a pu parler, mais dont le thème principal est le Do No Harm à l'heure de l'urgence environnementale, comment réinventer la gestion de l'information dans le secteur de la solidarité internationale, qui aidera justement à voir de manière un peu au-delà du sujet juste environnemental, mais comment est-ce que le Do No Harm peut aussi s'appliquer au-delà. Et c'est un peu ce qu'on a vu aujourd'hui, que ce n'est pas juste une question d'éthique, ça a des implications techniques et autres sur beaucoup de sujets différents. Donc, de voir justement comment ça peut s'appliquer aux nouvelles sociétés qu'on a envie de créer, la question de la résilience, du low-tech et beaucoup de sujets qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc, merci à tous et vraiment, Jérémy, Frédéric, on apprécie le temps que vous avez pu consacrer à cet échange. Et donc, on vous dit à la semaine prochaine pour le prochain webinaire. Merci. Merci à vous. Merci pour tout. Merci à vous. Au revoir.